Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une figure très simple, une variation de la demi-douche, comme je vous l'avais promis dans la dernière vidéo. La demi-douche, en fait, on était bien d'accord, c'est un lancer externe d'un côté, un lancer interne de l'autre. Si vous ne savez pas la faire, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo sur la demi-douche, ça sera plus simple pour vous. Du coup, sinon, là, cette fois-ci, on va repartir d'un petit peu des acquis et on va se dire qu'on a bien notre lancer externe et on a bien notre lancer interne. Donc on se rappelle, hein, lancer interne sous la barre du nombril comme ça. Donc on passe sous les balles. Et lancer externe, et ben on passe par-dessus la balle. Ok? Donc cette fois-ci, la balle rouge va nous servir de balle de ping-pong. Elle va passer par-dessus les deux autres balles, comme si les deux autres balles étaient un filet. D'accord? On va faire ça. Et pour ce faire, ben, on va faire un cycle. Toujours parler de cycle. Le principe est simple. C'est un cycle de 3 mouvement qui est lancer externe, lancer interne, lancer interne. Et ensuite, externe, interne, interne, externe, interne, interne, externe, interne, interne. On va commencer par la balle rouge, qui sera toujours l'externe. Externe, interne, interne, externe, interne, interne, externe, interne, interne, externe, interne, interne. Si on accélère et qu'on réduit un petit peu la hauteur, on obtient effectivement une espèce de ping-pong comme ça. On appellera d'ailleurs cette figure le ping-pong. Voilà, c'est une variante de la demi-douche, assez simple à réaliser et plutôt sympathique au visuel. Et bien à la prochaine vidéo pour encore une variante de la demi-douche. Salut!